Viens vite, il y en a un autre. Oh non, j'en peux plus. Allez-y, encore, encore, encore. Fort, 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 encore. Les contractions qui commencent à arriver. C'est vous qui allez poser la péridurale, c'est ça? Je sens toujours la tête de votre bébé qui bouge. Wow. Salut, beauté. Bonjour. Allez, Tulia. C'était incroyable. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous à l'hôpital privé d'Anthony du groupe Ramsay Santé. Nous sommes dans une maternité et nous allons voir comment se passe un accouchement de A à Z. Une famille a accepté d'être suivie et nous allons voir les différentes étapes. La pose de cathéter, l'ocytocine, la péridurale. Donc c'est parti, on a rendez-vous avec la sage-femme Lula. Let's go. Aujourd'hui, on est avec Lula. Ça va Lula, la forme? Très bien, et toi Thibaut? Très très bien, merci beaucoup. Lula qui est sage-femme. Et du coup, c'est avec Lula qu'on va suivre la personne qui va accoucher tout au long de la journée. Cette femme, c'est son deuxième enfant. C'est ça. Troisième en vérité, mais on l'expliquera plus tard dans la vidéo YouTube. Donc, première étape, tu vas aller voir la patiente en chambre. Exactement. Et tu vas... regarder son col. Ok, regarder le col, l'examiner, voir si tout va bien. C'est ça, exactement. Allez. Super. Bonjour. Bonjour, enchanté Thibaut. Vous allez bien? Oui, ça va, bien, merci. Très très bien, pas trop stressé? Non. Ça va. Bon, du coup, moi je suis Lula, une des sages-femmes. On va commencer par écouter votre bébé, ok? Vous avez déjà fait des monitoring? Oui. Bon, vous connaissez ça. On va mettre deux capteurs sur votre ventre. Un pour écouter votre bébé et l'autre pour capter les contractions. Donc là, on va écouter le bébé. Pour commencer, j'essaye de voir comment est placé votre bébé pour savoir où placer les capteurs. Si je vous fais mal, vous me dites. Ok ? Pas de soucis. C'est un petit garçon, une petite fille ? Une petite fille. Est-ce qu'elle bouge bien, cette demoiselle ? Ah, oui. Oui. Ça, c'est plutôt bon signe. Comment elle va s'appeler ? Vous avez déjà une idée du prénom ou pas du tout ? Alors dites-moi, ça va être quoi son prénom ? Tilia. Tilia. Oh, bah, c'est joli. Très beau prénom. Merci. Donc là, c'est le cœur de votre princesse qu'on entend. Je mets, hop, les petites bandes pour que les capteurs ne bougent pas. Combien de battements par minute un bébé? Entre 110 et 160, c'est la normale. Oui, le cœur d'un bébé bat beaucoup plus vite que le cœur d'un adulte. Bon, vous devez l'avoir vu sur les monitorings. Oui, dans certains cas, monter jusqu'à 180, ce n'est pas forcément anormal. C'est votre deuxième bébé, c'est ça? Oui, c'est ça. Ma deuxième fille. Vous avez déjà une fille à la maison? Oui, c'est ça. Du coup, vous savez que vous êtes là aujourd'hui pour être déclenchée. Ce qui va déterminer la façon dont on va vous déclencher, ça va être votre col. Oui. Okay. Donc si vous êtes OK, je vous examine. Et en fonction de votre col, je vous donne les possibilités qu'on a. OK, ça marche? Du coup, Lula, comment on devient sage-femme? Alors, c'est quoi les études? Alors, les études de sage-femme, on passe nécessairement par le concours de médecine. Puis ensuite, on se spécialise en gros dans la branche sage-femme. Et on a 4 ans d'études après la première année de médecine. Ça va s'allonger là, mais au moment où j'ai fait mes études, c'était 4 ans, donc 5 ans d'études en tout. Selon toi, c'est quoi la qualité d'une bonne sage-femme? Oh, il en faut plein. La patience, la bienveillance et puis aimer ce qu'on fait. Je pense que aimer ça, aimer les gens pour pouvoir faire ce boulot comme il faut. Avoir beaucoup de patience et aimer en tout cas pour être en salle d'accouchement. Bien sûr. Je pense qu'il faut aimer un peu l'urgence et l'adrénaline. Ouais. Le moment privilégié qu'on vit avec les gens sur le moment de l'accouchement. Mmh. C'est pour ça que je travaille en salle d'accouchement, je pense encore. Je suis encore une jeune sage-femme. Donc là, on est avec Anne qui est responsable de la maternité. Ça va Anne? Bonjour, bonjour, ça va? Très bien, très très bien. Quand une maman arrive du coup à votre hôpital, où est-ce qu'elle arrive en premier? Alors, quand une maman arrive, le jour ou la nuit, elle arrive ici. Le jour, elle a des hôtesses d'accueil qui l'accueillent. La nuit, c'est fermé ici. Elle se dirige directement, en général, quand elle vient la nuit, elle vient aux urgences. Donc, elle se dirige dans le couloir d'urgence. Ici, il y a le couloir des gynécos qui voient les patientes en urgence. Et ensuite, il y a les sages-femmes qui reçoivent les urgences de la maternité, c'est-à-dire les mamans enceintes qui ont un problème pendant leur grossesse ou parce que c'est le moment d'arriver pour elles pour l'accouchement. Très bien, t'es très calée, tu devrais travailler ici. Ouais. C'est vrai, je te conseille. Du coup, nous, on va direction l'espace naissance, c'est ça? Direction l'espace naissance, ça, ce sont les salles de naissance et le bloc césarienne. Donc, c'est là qu'on va pour accueillir son bébé quand c'est la fin de la grossesse, la plupart du temps. Entre-temps, on traverse le couloir d'un service qu'on appelle les grossesses pathologiques et qui est un service qui accueille les mamans avant l'accouchement qui ont un problème pendant leur grossesse, ou elles, ou leur bébé, ou simplement la grossesse qui se passe mal parce qu'elles ont perdu les os avant le terme ou n'importe quoi qui peut arriver. Donc, imaginons, la femme va accoucher, qu'est-ce qu'elle doit préparer dans sa valise de maternité pour venir à l'hôpital? Alors, en général, c'est une question assez globale. Donc, chaque maternité va donner sa propre liste la plupart du temps. C'est surtout des tenues hyper confort. Quand on va accoucher, il faut des choses dans lesquelles on est bien. Un legging, un gros survêt, des sous-vêtements en coton bien confortables. Okay. On évite tous les vêtements trop serrés. Toutes les maternités donnent leur liste. Est-ce qu'il y a des salles de muscu dans les hôpitaux? Pas à ma connaissance, on l'a très peu, il y a certaines... Aïe, 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 bon, il n'y aura pas de bébé. Désolé, Juju. Non, je rigole. On va essayer de créer ça pour vous, peut-être. Super, extra. Mais génial. Vous avez quelques années, c'est bon. Donc là, tu vas voir le col de l'utérus, c'est ça? Exactement. D'accord. La position est hyper importante pour vous examiner, donc vous allez bien remonter les genoux, rester couverte, hein, et bien descendre les fesses vers moi. Donc là, le but, voilà, vraiment, ça va être de déterminer les paramètres du col de l'utérus. Je vais vous les détailler en vous examinant. Oui. Non, ok. Pas de souci.
Vous me dites quand je peux vous examiner. Non, mais bah, allez-y. On y va. Si je vous fais mal, vous me dites. D'accord. Okay. On y va doucement. Ça va? Oui, ça va. Ok. Allez, j'arrête de vous embêter. Hop. Alors. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup, Lula, ce qui se passe? Le col de l'utérus, il évolue en dehors et pendant la grossesse. Typiquement, chez une femme qui n'a jamais accouché et qui n'est pas enceinte, qui n'a jamais eu d'enfant, le col, il peut faire entre 40 et 50 mm de long et il est très tonique, très fermé. On dit un peu que ça fait comme le bout du nez en consistance et en longueur, bon, ça peut faire à peu près 2 phalanges. Avec la grossesse et quand on se met en travail, ce col, il se raccourcit, il se ramollit. Et il s'ouvre. Là aussi, la position de votre col est importante. Tu peux toucher la tête du bébé là ou pas? Selon la position des enfants, oui, mais vu qu'il y a la poche des os, à travers la poche des os pour le moment. Ok. Et une fois que la poche des os sera rompue, oui, directement, je pourrais même vous dire si votre bébé a des cheveux. Ah ouais, ok, wow. Donc là, j'ai encore un col qui est encore postérieur, mais c'est normal, ça m'inquiète pas, qui est mi-long à court, ramolli, donc il est pas très tonique, mais pas hyper souple entre les deux. Et j'arrive à passer 2 doigts dans votre col, donc c'est beaucoup mieux que ce qu'on avait la dernière fois que le gynécologue vous a examiné. Ça, oui. Je pensais que ça serait moins bien que ça, pour être honnête. Mais même moi aussi. Donc on va peut-être même pouvoir directement mettre l'ocytocine. Et donc vous accouchez dans la journée. Ah, ben ça, ça serait une bonne nouvelle. C'est quoi l'ocytocine? Alors l'ocytocine, c'est l'hormone que vous fabriquez spontanément, que toutes les femmes fabriquent. On appelle ça aussi l'hormone du bonheur. Dans un contexte de grossesse, ça donne des contractions avant l'accouchement. C'est donc quand vous vous mettez en travail, vous en sécrétez spontanément. Mais là, nous, on en rajoute de façon synthétique pour recréer artificiellement le travail et donc vous faire accoucher. Quand vous allez donner le sein, ça va aussi sécréter de l'ocytocine spontanément, du coup, qu'on aura arrêté bien l'ocytocine. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter? Oh, j'en ai plein. Moi, j'en ai plein. Ouais, j'allais dire, t'en as plein. On t'interview après. Dans celles qui m'ont marquée, je me suis rendu compte de l'importance des mots, de ce qu'on pouvait faire comme métier. Le jour où j'ai une patiente qui est revenue me voir 6 mois après son accouchement et qui m'a dit, mais en fait, je me suis rendu compte que j'allais être maman quand vous m'avez dit que vous touchiez les cheveux de mon bébé. Et c'est quelque chose qu'on dit assez machinalement et je ne me rendais pas compte du poids des mots qu'on pouvait avoir. Donc, c'est pas très drôle, c'est plutôt touchant comme anecdote. Trop mignon. Mais c'est plus ces moments-là qui sont assez marquants pour nous et où on se rend compte de l'importance qu'on peut avoir et de ce qu'on doit faire correctement. Et de l'importance de ce qu'on fait et de ce qu'on peut dire. J'ai une fois un papa qui m'a demandé comment son bébé allait être à la naissance parce qu'il avait passé 9 mois la tête en bas et qu'il ne comprenait pas ce qu'il allait voir normalement parce que tout le sang allait redescendre à la naissance. Des questions que nous, on ne se pose pas nécessairement. Et du coup, en vrai, c'est quoi? Il se retourne, c'est ça, le bébé? Mais c'est surtout qu'en fait, la circulation n'est pas la même. Ils sont dans un environnement liquide, donc ils bougent. Il n'y a pas de notion de gravité pour eux. Très bien, donc c'est pas je ne savais pas, donc c'est bon à savoir. Très, très bien. Du coup, prochaine étape maintenant. Là, la prochaine étape, ça va être de discuter du col et du dossier avec la gynécologue de garde, parce que c'est elle qui est la dernière décisionnaire et qui nous donne l'accord pour la méthode de déclenchement. Et ensuite, on y va. Est-ce que vous souhaitiez une péridurale, madame? Oui. I want an epidural. On peut mettre la péridurale en même temps qu'on débute l'ocytocine. Comme ça, vous êtes soulagée. C'est parfait. Parce que la péridurale, ça, je peux dire que c'est une bonne invention. Ça, c'est... Vous prêchez une convaincue. Ah bah. Pas de stressé, c'est bon? Non, moi, c'est bon. C'est bon. Vous êtes détente? Oui, c'est bon. Très bien. Donc, je vous attends, il n'y a pas de souci. Super, ben merci beaucoup en à tout cas. À tout de suite. Est-ce que c'est possible d'avoir des contractions à la maison avant d'arriver à l'hôpital et d'accoucher? Oui, alors on peut avoir des contractions, soit c'est le tout début du travail quand on est à terme et à ce compte-là, on attend que ça se régularise, que ça s'intensifie, que ça devienne douloureux. On peut avoir aussi, avant de se mettre en travail, des contractions qui ne sont pas forcément douloureuses et qui sont des contractions normales, réactionnelles, puisque l'utérus reste un muscle. Oui. Par contre, si on a des contractions très régulières, très douloureuses, bien avant le terme, il faut toujours venir consulter à l'hôpital pour être sûr que justement le col ne se raccourcisse pas et que ce ne soit pas un début de travail prématuré. Après, je vous montre la néonatologie. Ouais. C'est là que les mamans sont hospitalisées quand elles ont leur bébé qui doit rester dans cette unité, dans cette petite unité de néonatologie qui peut accueillir 6 bébés. Qu'est-ce qui peut arriver à un bébé après la naissance? Alors, il peut lui arriver simplement d'être né avec un petit poids de naissance, simplement d'être né avant le terme. Donc ça nécessite parfois des soins, une hospitalisation de quelques heures à quelques jours. Il peut après avoir une maladie qui se découvre après la naissance, souvent pas grave, comme un ictère, une jaunisse du bébé. Ça, c'est une maladie très fréquente qui nécessite de le mettre dans un petit berceau avec des rayons bleus. Et les mamans peuvent venir les voir 24
24h sur 24 quand elles le veulent et elles sont hospitalisées dans une des chambres du couloir. Alors viens Thibaut, je vais t'emmener voir une consultation de gynéco. Ne t'inquiète pas, ce ne sera pas pour toi. D'accord. Alors ici, on est dans une salle de consultation de gynécologie. Okay, nickel. Donc les patientes viennent voir le gynécologue parce qu'elles ont des problèmes pendant leur grossesse, parce qu'elles ont des problèmes de gynéco, de sein, d'ovaire, d'utérus. Donc ça, c'est une table de gynéco. Les patientes s'installent là, elles mettent les pieds là. En général, ce n'est pas du tout douloureux. Certains gynécos les examinent en leur demandant leur consentement avant. Parfois, simplement, ils regardent le ventre, ils n'ont pas besoin d'examiner. Ils ont un appareil d'échographie pour pouvoir faire une petite échographie s'il y a quelque chose qui les soucie. Et donc là, on a tous les instruments pour faire de la consultation gynéco dans les règles de l'art. Julien, quoi ? Salut. La forme ? Très bien. Très, très bien. Julien, du coup, tu es gynécologue ici dans la maternité. Ouais. C'est quoi le rôle d'un gynécologue dans une maternité alors ? Quand le travail se déroule bien, c'est-à-dire le travail, c'est l'accouchement, se déroule normalement, la sage-femme peut faire l'intégralité du suivi. Le col se dilate, le bébé descend, il naît, etc. Donc là, il n'y a pas spécialement besoin d'intervention médicale. Nous, on intervient quand ça ne se passe pas de façon ultra physiologique, complètement naturelle. Typiquement, il peut y avoir des situations où on va avoir besoin de faire une césarienne. Donc là, c'est un acte chirurgical. C'est toi qui le fais ça. C'est moi qui le fais ça. Ou alors une extraction avec des forceps ou des ventouses. Donc c'est moyen de sortir les enfants par voie basse, mais il y a plus une question plus technique. Après, il y a certaines complications de la grossesse qui peuvent intervenir pendant l'accouchement. Il y a un risque hémorragique. Hein, quand on accouche, on saigne, mais ça peut saigner de façon très très importante et être dangereux pour la vie des femmes. Donc là, on va être obligé de transfuser, de faire tout un tas de procédures médicales et chirurgicales pour régler ces problèmes-là. Et après, il y a une foule d'autres situations, de l'hypertension, des problèmes infectieux, etc. Et redistribution, c'est-à-dire 35 plus 2. Salle 3, madame, troisième part qui vient toujours pour être déclenchée. Cette dame a un utérus cicatriciel avec antécédent de mort fœtale in utero à 35 semaines sur un HRP en 2018. Elle en parle assez facilement, a priori, la dame. En plus, ça a été une césarienne sous AG, elle a été transfusée, donc ça a été quelque chose d'assez compliqué. Mais par contre, en 2021, elle a accouché ici d'une petite fille de 3,880 kg, ça s'est très bien passé. Dans le contexte, on la déclenche aujourd'hui, c'est un enfant qui est au 97e percentile, sans diabète, on a un col qui est postérieur mi-long, ramolli, deux doigts. Elle est OK pour péri d'emblée, péri-synto et rupture dès que possible. Bon, tu peux commencer le synto et on fait péri juste après. Super. Ah, deux doigts. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe là pour l'instant ? On a validé avec le gynéco la méthode de déclenchement. Ok. Et là, on va augmenter progressivement les débits d'ocytocine pour donner de vraies contractions qui vont permettre au col de se dilater et donc à la dame d'accoucher. Bon, vous allez être contente. Le docteur Owen est OK pour qu'on mette directement l'ocytocine. Donc, on va lancer les choses. Et comme ça, vous allez accoucher dans la journée. Ok ? Oui, ça me va. Je me permets de baisser un peu le son parce que... elle fait du remue-ménage, cette demoiselle. Hein oui. On lance l'ocytocine et j'appelle l'anesthésiste, il est déjà en train de poser une péri. Comme ça, on pose la péri. Ok. Je vous perfuse, comme ça c'est fait. Et on y va. L'ocytocine, c'est par perfusion, c'est ça du coup ? Exactement, c'est par perfusion et c'est nous qui gérons les débits exacts grâce au petit appareil qui est juste à côté. D'accord. Donc je prépare de quoi vous perfuser, je reprélève toujours un bilan, ce qu'on appelle des RAI. On le prélève à toutes les femmes enceintes, comme ça on a tout. Tous les patients qui passent au bloc, pas que les femmes enceintes, si jamais il y a besoin de vous transfuser. Oui. Okay. C'est important pour être sûr de ne pas faire d'erreur au niveau du sang qu'on vous transfuse en cas d'urgence. D'habitude c'est dur à trouver les veines. Ouais. Ok. Je crois fort en moi. C'est rassurant. Moi, si jamais j'arrive pas à vous piquer moi, madame, de toute façon, j'appellerai l'anesthésiste. Hein, c'est les kings de la perfusion. Donc. Est-ce que même si on attend un gros bébé, ça peut ne pas sortir ? Tant qu'il n'est pas sorti, peu importe le poids de l'enfant, on n'est pas sûr qu'il sorte finalement. Ok. Il y a certaines femmes qu'on déclenche avant le terme parce que leur enfant est estimé trop gros. Si les estimations de poids, l'échographie sont au-dessus de 4,5 kg, on se pose la question de l'accouchement voie basse, mais c'est vraiment rarissime. D'accord. Donc on a plutôt tendance à déclencher avant le terme, avant 41 semaines, si on voit qu'il y a un enfant qui est au-dessus des courbes au niveau du poids. D'accord. Un accouchement à voix basse, ça veut dire un accouchement classique ? Oui, mais ça peut sous-entendre également qu'il y a des instruments. Un accouchement à voix basse peut comprendre des forceps, une ventouse ou des spatules. Il y a un accouchement à voix haute, ça existe ? Oui, c'est une césarienne. D'accord, très bien, très bien. On se renseigne, très bien. Ok. Donc là, tu cherches la veine. Exactement. Je la vois, hein, mais vu qu'elle est toute fine, j'ai peur qu'elle explose, vous savez. Est-ce que je vous préviens quand je vous pique que vous ne voulez pas savoir ? Comme vous voulez, je suis tellement habituée. Oh, ma bête. Elle est soufflée. Allô ?
on y est. Tu l'as eu? Ouais. Premier coup. Vous m'avez trop mis la pression, alors vous voyez, je voulais pas me rater. Bon, après, on va demander à Thibaut de vous piquer, hein, du coup. Non, 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 non. Attends. Est-ce que c'est conseillé ou obligatoire pour les femmes de se raser les parties intimes avant l'accouchement? Alors, chacun fait comme il veut à ce niveau-là. Il n'y a pas vraiment d'obligation. Seulement, il faut savoir que si on est amené à faire soit une césarienne en urgence, soit à faire une épisiotomie ou à recoudre le fait d'avoir des poils courts ou rasés, ça va nous faciliter la tâche, ou on peut être amené, nous, sur une césarienne, à juste raser la zone d'incision, à tondre. Okay. Mais c'est uniquement si les poils sont vraiment très, 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 très longs et n'ont jamais été épilés. Finalement, une patiente qui se rase et qui a une repousse d'un mois, on s'en moque. Peu importe où c'est. C'est quoi une épisiotomie? C'est le fait de couper le périnée quand on n'a pas d'autre solution, en médio-latéral par rapport à la fourchette vulvaire. J'allais dire, c'est un peu trop compliqué. C'est juste le fait de pratiquer une incision au niveau du périnée. D'accord. Pour libérer plus rapidement la tête de l'enfant. D'accord. Soit quand on voit que le périnée est très très fragile et qu'on va avoir nécessairement une déchirure plus importante que l'épisiotomie, soit quand on est dans un cas de souffrance extrême de l'enfant et qu'il faut accélérer les choses. De combien de mamans tu t'occupes? C'est vraiment très variable, tout dépend des gardes. Ça peut aller de 0 à 5. On a des gardes très très calmes où on fait pas du tout d'accouchement et on a des gardes très très chargé. Typiquement cette nuit, mes collègues, elles ont fait 9 accouchements, elles étaient 3. Waouh. Y en avait déjà eu 6 dans la journée, donc la totalité des femmes qu'elles ont dû voir sur une garde doit être à peu près à 10 par sage-femme. D'accord, ouais. Ok. Ah oui, c'était... Bon, c'est un peu ce qu'on aime aussi, je crois, en maternité, mais... Le côté action, un petit peu. Il y a des journées où on va pas se voir, où on va pas manger. Au bout de 12 heures, on se dit, oh punaise, on n'a pas fait pipi, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu qui tout double. C'est un métier où il y a beaucoup d'attentes, mais quand ça y va, ça y va. C'est exactement ça. Mais la natalité, globalement, est en train de baisser. En France, ça baisse actuellement, ok. En France, je pense que dans le contexte actuel, on commence à avoir moins... Les gens font moins d'enfants. Donc si on a un message à faire passer dans la vidéo YouTube, ce serait de faire des enfants. Voilà. Pour que les sages-femmes continuent de travailler. Exactement. Ça veut dire quoi, un retour de couche? C'est la reprise de l'ovulation après l'accouchement. Le moment où on se remet à saigner, quand on a été enceinte, on n'a forcément pas eu ses règles pendant 9 mois, les cycles reprennent. Donc, en théorie, c'est le moment où on peut retomber enceinte. D'accord. Mais il faut faire attention, parce que ce n'est pas parce qu'on ne saigne pas qu'on n'a pas recommencé à ovuler et qu'on ne peut pas retomber enceinte. Je vous laisse prendre des notes à la maison. Une fois que la femme a accouché et que les deux partenaires souhaitent avoir de nouveaux rapports sexuels, la femme peut-elle prendre directement la pilule comme moyen de contraception? Ou alors, j'ai entendu dire que l'allaitement était un moyen de contraception. Chaque moyen de contraception a son délai bien particulier pour être repris en fonction du contexte de l'accouchement. Et ensuite, l'allaitement n'est pas un vrai moyen de contraception. Ça change les taux hormonaux sanguins, mais il ne faut pas le considérer comme un moyen de contraception, sachant qu'on a des moyens de contraception efficaces. En France, on a cette chance-là, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. Dans certains pays, il y a une méthode qui s'appelle la méthode MAMA, où il y a un protocole bien prédéfini d'allaitement, mais on n'est pas sur du 100% de réussite et le taux de réussite de cette méthode est bien moins élevé que le taux de réussite de nos moyens de contraception stérilés et implants. C'est l'ocytocine. C'est ça, cette toute petite ampoule. C'est de l'hormone du coup. De synthèse. Voilà, forcément on la reproduit artificiellement. Donc ça c'est le phénomène du déclenchement, c'est ça en fait, c'est exactement. Le déclenchement. Exactement. D'accord. C'est le fait de reproduire artificiellement le travail. Trop sereine. C'est ça, mais l'aiguille elle est pas pour vous hein. Toujours hyper important, je prends le temps de noter parce que c'est toujours hyper important. S'il y a quelqu'un d'autre que moi qui rentre dans la salle, il faut qu'il sache exactement tout ce qu'il y a et qu'il n'y ait pas de doute possible. Donc ça, c'est une machine qui va tout doucement, progressivement mettre du produit. Je peux régler le débit auquel je veux que l'ocytocine passe. Donc on commence tout doucement. Ok. Alors ici, Thibaut, on est dans le couloir des suites de couches. C'est là qu'on hospitalise les mamans juste après l'accouchement. Elles y restent en moyenne de 1, 2 à 3, 4, 5 jours, le temps qu'elles veulent en fait. Le temps de se sentir bien, assez à l'aise pour sortir et pour pouvoir s'occuper de leur bébé après l'accouchement à la maison. En fait, nous, on fait beaucoup de santé publique. On apprend aux mamans à s'occuper de leur bébé, à les changer, à faire le soin de cordon, à les baigner. La plupart d'entre elles n'ont jamais tenu un nouveau-né dans leurs bras avant d'en avoir un. C'est très important. Une sorte de formation, quoi. Exactement. Ici, on n'a pas de baignoire dans les chambres des mamans et du coup, on vient les baigner ici et les auxiliaires de puériculture s'occupent de leur montrer comment on fait un bain à un bébé. Vous voyez, c'est qu'on ne sait pas. Exactement. L'auxiliaire vous montre comment on change un bébé, comment on fait les soins. Il faut changer le bébé en plus. Oui, tout à fait. Et alors le bébé, c'est plus souvent que le bain en plus. Comment on le masse, on leur montre aussi des techniques pour le masser, pour les calmer. Donc il y a plein de choses à apprendre avec un nouveau bébé. On verra en temps et en heure. Tu n'es pas prêt, j'ai l'impression. À l'occasion. Je reviendrai
allez en stage ici. Exactement. Pourquoi il ne faut pas manger de sushi quand on est enceinte? Il y a plusieurs maladies infectieuses qui peuvent être transmises aux enfants pendant la grossesse. Okay. Donc il y a des maladies qui sont sans gravité pour un adulte en bonne santé, par exemple le toxoplasmose, qui est un parasite du chat. Si on attrape ça et qu'on n'a pas de problème d'immunité, il ne va rien se passer. Pendant la grossesse, ça peut contaminer l'enfant, donc il y a des restrictions alimentaires assez importantes pendant la grossesse. Donc il y a quoi qui est interdit? On dit donc les sushis, tous les aliments qui ne sont pas cuits. Les protéines animales en général, les œufs, les viandes, etc. Steak tartare. Steak tartare, il faut éviter quoi. Alors après, il y a des patientes qui sont immunisées contre la toxoplasmose. Elles l'ont déjà eu, elles ne peuvent pas rattraper. Okay. Donc, elles peuvent manger de la viande un peu saignante. En règle générale, c'est plutôt mieux d'éviter ça. Et bien sûr, ne pas fumer, ne pas boire d'alcool. Ouais, ça c'est l'évidence quoi. La base. Et du coup, là maintenant, ça va être la péridurale. Exactement, puisque vu qu'on sait que la dame va accoucher dans la journée, on peut se permettre de lui mettre la péridurale, même si elle a pas mal. Allez, nickel, c'est parti. Amélie, enchantée. Enchantée. Du coup, t'es l'infirmière. Voilà, c'est ça. Et c'est toi qui vas poser la péridurale. Alors moi, je vais pas la poser, je vais aider l'anesthésiste, du coup, poser la péridurale, je vais lui donner ce qu'il a besoin, vu qu'il est censé être en stérile. Je prépare tout, j'installe la dame, et puis j'accompagne la dame, voilà, si elle a des contractions, tout ça. Bah, c'est parti, du coup. On y va ? Allez. Bonjour madame, je suis Amélie, je suis l'infirmière. On va s'installer pour la pose de péri. Pas de soucis. Bonjour monsieur, bonjour madame. Bonjour. 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 Je suis docteur Attala, je suis médecin anesthésiste. Ça va ? Oui, ça va, merci. C'est vous qui allez poser la péridurale, c'est ça ? Tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a comme produit du coup dans la péridurale alors ? Ça dépend, chaque anesthésiste il fait son mélange, mais il y a toujours en fait des anesthésiques locaux et des morphiniques liposolubles. Comme ça, elle ne va plus avoir mal. C'est froid dans le dos, madame. Donc ça sert à... Ça désinfecte le dos. Le dos, c'est la bétadine. Okay, c'est l'antiseptique. Voilà, détendez-vous, tranquille. Alors, j'ai mis un champ stérile, donc on ne met plus les mains derrière, on est d'accord. Alors, j'appuie fort dans le dos. Ce qu'il faut, c'est résister à la pression. C'est juste pour prendre des repères, d'accord ? On fait une petite piqûre, madame, c'est l'anesthésie locale. Je pique. Voilà, ça tire un petit peu, c'est pas très sympa. Donc là, on endort la peau. Et après, à travers une aiguille spéciale, c'est l'aiguille des péridurales de Thioï, on cherche l'espace. Madame, alors, si vous sentez une douleur à droite ou à gauche, il faudra me dire sans bouger. Mais pas de mouvement brusque, s'il vous plaît. D'accord ? J'appuie fort, c'est normal. Est-ce que ça va ? Oui, ça va. Pas de douleur ? Ni droite, ni gauche ? Du coup, c'est une aiguille spéciale ? Ouais, c'est une aiguille, en fait, avec une perte de résistance. Même la seringue, elle est spéciale pour ça. Donc, c'est pas une aiguille normale. C'est des aiguilles qui sont un peu atraumatiques. Donc, le but, c'est d'avoir une perte de résistance. Ça va, madame ? Oui, ça va. Pas de douleur ? Non, pas de douleur. C'est rapide à faire l'effet d'anesthésie locale. Hein. Ouais, c'est tout de suite, en fait. D'accord. Et en fait, ce liquide, du coup, va venir directement dans les lombaires ? En fait, c'est une espèce péridurale. C'est derrière, en fait. C'est une espace qui est... derrière la dure mère. Dès qu'on a une perte de résistance, on sait qu'on est dans l'espace. Est-ce que c'est possible que la péridurale ne marche pas ? Alors, ça arrive que la péridurale ne fonctionne pas exactement comme on le voudrait. Quand les anesthésistes posent la péri, ils la testent toujours. Okay. S'ils ont le moindre doute sur le positionnement du cathéter de péridurale, ils l'enlèvent, ils le reposent. On ne prend pas de risque avec ça. Et si jamais au cours du travail, la douleur revient, on peut soit injecter d'autres produits, soit des fois le cathéter effectivement bouge pendant le travail. Et à ce moment-là, on peut la reposer. Donc le fait que la péridurale ne marche pas parfaitement, ça arrive de temps en temps, mais on a des moyens de corriger ça facilement. Madame, vous allez sentir une pression d'un seul coup, ça peut surprendre. Voilà, là vous avez senti la pression. Donc là on est en place, on va injecter le produit. Donc c'est un produit qui est un peu chaud, et pas sympa. Il faudra me dire de quel côté vous sentez plus le produit. Droite, gauche, milieu. Donc là, on va monter le cathéter. Il se peut qu'on ait une petite décharge. Ce cathéter, il sert à quoi ? Ce cathéter, c'est comme une perfusion. Il va rester en place et ça sert à injecter le produit toute la durée de l'accouchement. Et cette seringue va rester en place tout non, le long de l'accouchement ? Le cathéter, il va rester en place. Okay. L'aiguille, on va la retirer. Elle nous sert comme un guide pour monter le cathéter, en fait. Oh, c'est une sacrée avancée, n'empêche. Hein. Voilà, donc là, il est en place. Incroyable. On retire l'aiguille. Incroyable. Et après, pour le retirer, le fil, comment vous faites ? On tire facilement. Vous n'avez rien senti, j'espère. C'est quoi le pourcentage de femmes qui font appel à... En France, on doit être sur 94-95. Hein. On va faire pansement. Là, c'est fini. Hop. Donc du coup, ça y est, la péridurale est Alors, posée. Elle est posée. Maintenant, on va brancher donc, à ces petits boîtiers, ce qu'on appelle une PCA. Vous, ce que vous allez avoir, c'est le fameux bouton bleu. Oui.
Donc en cas de douleur, vous connaissez, c'est votre ami jusqu'à la fin de l'accouchement. Exactement. On a mal, on appuie ici une fois. Quand vous appuyez, c'est ce petit boîtier qui va se déclencher pour délivrer le produit. Mm-hmm. Par contre, c'est pas volonté, donc je vais mettre un système de sécurité 10 minutes pour éviter que j'appuie tout le temps. Donc j'ai mal, j'appuie, j'ai pas mal, je touche pas, on est d'accord. Du coup, la péridurale qui empêche pas de pousser. Non, du tout, du tout. En fait, s'il y a un bloc sensitif, il n'y a pas un bloc moteur. Madame, elle peut se balader, marcher, même chercher un café. Allez, courage. Ça marche, à tout à l'heure. Du coup, Lola, ici, on est dans la salle de pause avec un écran qui sert à quoi? Comment ça s'appelle? Alors, ça s'appelle un répétiteur. Cet écran, ça nous permet d'avoir un œil sur tous les rythmes cardiaques des enfants en direct. Ok. Donc, on a deux courbes. Et donc, on a la courbe du rythme cardiaque de l'enfant et la courbe des contractions en dessous. Salle 3, la chambre de la maman. Okay. Les contractions qui commencent à arriver. Et au niveau des battements du bébé, ça va? Le rythme cardiaque du bébé est parfait. On est sur un rythme cardiaque normal. Que tu sois en pause ou dans l'hôpital, tu as toujours un œil là-dessus? Tout le temps. Et même quand je suis dans une autre salle avec une autre patiente, dans toutes les salles d'accouchement, j'ai ce répétiteur qui me permet de surveiller ce qui se passe à côté. Ok. Oh, c'est joli ici. Oui, alors ça, c'est une salle de détente qui est mise à la disposition des parents et notamment des mamans pour qu'elles puissent venir se rencontrer entre elles avec les conseillères en allaitement. Ça s'apprend, ça ne vient pas de soi. Alors même si après le corps est bien fait, il faut quand même apprendre à mettre son bébé au sein, ouais, à bien le positionner pour que ce soit à la fois confortable pour lui et pas trop douloureux pour les mamans. Il y a aussi dans ce domaine-là plein de choses à apprendre. Est-ce qu'un homme qui a des pecs peut allaiter? Alors non, je ne crois pas, parce qu'il n'aurait pas de gland de mammaire. En revanche, je vais te dire quelque chose. Même quand on n'est pas enceinte, on peut allaiter. C'est le cas des nourrices quand on était jeune. Enfin, quand moi j'étais jeune, ouais, hein, il y avait des nourrices dans les campagnes qui allaitaient des enfants qui n'étaient pas les leurs. Elles n'avaient pas été enceintes. Moi, si tu me mets un bébé au sein, même je suis sûre de ne pas être enceinte, et ben dans 3 semaines, à force de stimulation, je vais avoir du lait. Ok, voilà. Très bien, je verrai avec ma copine tout à l'heure en rentrant. Ouais, ben faut stimuler par contre, hein, 3 semaines. Ok, allez, ça c'est un autre sujet. Est-ce que c'est vrai que quand une femme accouche, elle se fait caca dessus? Non, c'est rarissime. Alors c'est pas impossible, ça serait mentir que de dire que ça n'arrive jamais, puisque forcément il y a des pressions qui s'exercent sur le rectum bien et sûr, quand on pousse, mais c'est rarissime et surtout, c'est à peine si on s'en rend compte, on s'en moque, ça fait partie de la vie, il faut vraiment pas bien s'inquiéter sûr à ce sujet-là, quoi. Est-ce qu'un homme peut avoir des rapports sexuels avec sa femme qui est enceinte? Oui, bien sûr, sauf s'il y a une pathologie de la grossesse particulière. Si on est en menace d'accouchement prématuré, c'est-à-dire si on a des contractions avant le terme, d'accord, ou s'il y a un contexte ou une autre pathologie qui peut mettre l'accouchement péril, à terme, ouais, en péril, forcément il vaut mieux éviter, mais dans la mesure où les deux sont consentants et que tout le monde en a envie, il n'y a pas de contre-indication à avoir des rapports sexuels, d'accord, pendant la grossesse. Ça n'a pas de risque de déclencher l'accouchement? Non, si ça déclenchait l'accouchement, forcément on dirait à tout le monde de s'arrêter d'avoir des rapports sexuels, okay, jusqu'au terme. Par contre, ça peut, pendant la grossesse, parfois engendrer des saignements parce que le col de l'utérus, qui est au fond du vagin, est un peu plus sensible. Donc on, okay, peut être amené, après un rapport, à saigner un peu sans que ce soit grave. On adapte la position, j'imagine, quand on arrive vers les 7-8e mois. Plus en lien avec la taille du ventre, finalement. Ouais. Bon, ça, on rentre pas dans les détails. Vous faites votre sauce à la maison. Comment ça va? Bon, ça travaille, hein? Vous, bonjour, sentez les contractions? Non. Nous, on les voit. Vous sentez que le ventre se durcit? Non. Non. Eh bien, tant mieux, c'est une péri qui marche bien. Je vais vous réexaminer. Oui. Et puis, on va voir si on peut rompre la poche des os ou si, d'accord, c'est trop tôt. Est-ce qu'on vous a dit qu'il y avait beaucoup de liquide? Non, on m'a dit qu'il y avait juste assez de liquide. Juste ce qu'il fallait. Il y a l'équivalent d'un litre, à peu près. Mais déjà, je vais vous dire si le col a bougé. Ok. D'accord. Glissez, allez, bien les fesses vers moi. Allez. Je peux vous examiner? Oui, allez-y. Allez. Si je vous fais mal, vous me dites. Ok. Ça va? Oui. Ouais. Deux totos. Je sens la tête de votre bébé qui bouge sous mes doigts. Je pense qu'elle réagit au fait que je vous examine. En fait, là, je suis en train d'évaluer plus ou moins ce qui se passe pendant une contraction pour voir si je peux rompre la poche des os. Parce qu'on ne peut pas rompre la poche des os n'importe comment. Mm-hmm. Parce que si la tête n'applique pas assez bien sur le col, le risque, c'est que ce soit le cordon ombilical qui passe avant la poche des os. Ouais. Et c'est une urgence vitale, oui, parce que les échanges avec votre bébé, du coup, sont rompus. Donc, il faut faire une césarienne en urgence. Je vais remonter un peu l'ocytocine et dans une heure, je viendrai pour rompre. D'accord. Ok. On va se donner un tout petit peu de temps. C'est impressionnant, non? Franchement, c'est impressionnant. Bon, on sent que c'est bien fait, dans les règles et tout. C'est étape par étape, en douceur. Donc, c'est nickel, c'est vachement intéressant. Ça, je me forme pour plus tard. On va créer des vocations. Qu'est-ce que c'est ça? Ben c'est les bracelets de bébé, Thibaut. Donc, si t'es ok, je vais te laisser écrire l'identité. On va préparer pour l'arrivée de cette petite fille. Comment elle s'appelle, son prénom? Ça va être une petite Tilia. On peut pas l'appeler Tibia? On peut pas choisir, non? Non, on peut pas choisir. Enfin, les parents ont choisi, là. On peut pas, on peut pas faire de blagues là-dessus, non. D'accord, ok, très bien. On peut essayer, mais je suis pas sûre qu'ils apprécient. Non, je pense pas non plus. Alors, tu m'as dit, pardon? Donc, Tilia, T-Y.
L-I-A. Tu signes pas. Une petite boîtier pour dédicace. Ouais, à la fin de la journée, à mon avis, il va y en avoir une paire de trucs à signer. Donc là, c'est la pièce de réanimation pour les bébés, c'est ça? Exactement. On en a dans toutes les salles de naissance. C'est chaud. C'est une table chauffante. Alors, tu vois, on l'allume, elle n'est jamais éteinte. En fait, elle est vérifiée une fois par jour. Il y a un petit système là pour oxygéner le bébé s'il en a besoin à la naissance et un système d'aspiration pour éventuellement enlever du liquide qu'il aurait avalé pendant l'accouchement. On n'est pas obligé de s'en servir. Ça arrive souvent, régulièrement, de temps en temps? Ça arrive de temps en temps, peut-être 20% des fois. Quel type de problème un bébé peut rencontrer à la naissance? Il peut avoir été fatigué par les contractions pendant un travail qui durerait longtemps ou des grosses contractions qui auraient fait baisser son rythme cardiaque. Dans ces conditions, il faut intervenir en urgence ou il est tout près de la sortie. Dans ces conditions, on le fait accoucher par les voies naturelles, comme on dit, par voie basse. Ou alors c'est encore loin l'accouchement et dans ces conditions, on est obligé de faire une césarienne en urgence. Avec nos équipes de sages-femmes qui sont tout à fait formées à faire de la réanimation de bébé ou par nos pédiatres qui sont sur place. J'ai entendu dire que les femmes pouvaient déclencher du diabète pendant leur grossesse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la glycémie à jeun qu'on peut faire en début de grossesse est trop importante. C'est pas nécessairement quelque chose qu'on a avant ou après avoir accouché. On le dépiste quand on a des facteurs de risque, prise de poids, d'âge, de grosseur de l'enfant à venir, etc. En fonction du poids du bébé à la naissance et du contexte, il faut qu'on surveille les glycémies du bébé à la naissance et ça peut demander d'être déclenché avant le terme si jamais l'enfant est trop gros. On fait un contrôle une fois que les femmes ont accouché à distance de l'accouchement pour être sûr que la glycémie se normalise. Pas trop fatigué, ça va? On va essayer de rompre la poche des os. C'est pas du tout un geste qui est douloureux. Par contre, vous allez peut-être sentir que ça fait claque. C'est possible, hein, c'est comme un ballon qui explose. Hein. Pour m'aider, je vais passer juste une petite pince entre mes doigts pour crocheter la poche des os. C'est en plastique, vous voyez, il y a juste un tout petit crochet. Je prends des protections au cas où ça coule beaucoup pour vous remettre au propre. Vous arrivez à lever un peu les fesses? Et vous me dites quand je peux vous examiner. C'est bon. On y va? Ça va? C'est pas du tout douloureux? Mais non. Mais tant mieux, tant mieux. Attendez, je cherche pas ce que vous ayez mal. Hein. Bon, maintenant j'attends la contraction. D'accord. Je sens toujours la tête de votre bébé qui bouge. Je vous appuie un peu sur le ventre pour la guider vers le bas. Ouais, là, il y en a une qui arrive. Vous la sentez ou pas? Non. Alors, j'y vais tout doucement. Et la poche est percée. Si vous le dites. Je vous promets, je vous mens pas. Vous sentez? Ah oui, là, je sens. Oui, c'est vrai. Wow. Le liquide amniotique est super clair. Oui. Donc, ça veut dire que votre bébé va bien. Des fois, le liquide amniotique, il peut se teinter. Oui. Il peut devenir un peu vert. Des fois, on vous dit, oh, il est un peu vert, le liquide. Ça veut dire que votre bébé a émis des selles et que ça veut dire qu'à un moment donné, il a pu peut-être un peu fatigué d'un événement ou d'un autre. Mais là, c'est pas du tout le cas. Et le fait de rompre, ça raccourcit votre col et on est à deux doigts larges. Le but, c'est d'arriver à combien? 10. 10 cm, ça veut dire qu'il n'y a plus du tout de col, en fait. Ça veut dire que quand on vous examine, on sent plus du tout le col. Et donc là, le bébé n'est plus dans sa poche d'eau. Exactement. Alors, il y a certainement pas tout le liquide qui est sorti. La poche, elle est juste percée, mais elle existe. Okay. Donc, les membranes, elles sont rompues. Mais certainement que le liquide va se vider petit à petit, comme un ballon qui se vide. Exactement. D'accord, très bien. Alors, du coup, là, dans une chambre, mais un peu spéciale, tu m'as dit. Oui, alors ça, c'est ce qu'on appelle une salle nature. C'est ici qu'on installe des patientes qui souhaitent accoucher le plus naturellement possible, c'est-à-dire chez nous, sans péridurale. Elles se sont en général très bien entraînées pour tenir tout le temps qu'il faut pour se passer de péridurale. C'est très méritant. Moi, je ne l'aurais pas fait pour moi-même. Donc, elles peuvent avoir accès à une baignoire qui leur permet l'eau chaude, ça leur permet de se détendre un peu. Alors, c'est une baignoire juste le temps du travail et des contractions. D'accord. On ne peut pas faire d'accouchement dedans. C'est ce qu'on appelle des baignoires de dilatation. Donc ensuite, elles ont différentes choses dans cette salle, une liane, un tabouret qui leur permet de changer de position, de pouvoir avoir des massages par leur conjoint, par leur sage-femme, etc. Et elles ont un lit sur lequel elles peuvent accoucher, si elles le souhaitent, dans la position qu'elles souhaitent. J'ai vu sur Instagram que c'était vachement la mode des accouchements dans l'eau. Qu'est-ce que t'en penses, toi, en tant que sage-femme? Alors, je pense que l'eau, pendant le travail, c'est hyper bénéfique, ça peut aider à gérer les contractions, surtout quand on accouche sans péridurale. Mais avec les mesures de sécurité qu'on met en place, en tout cas dans les maternités en France, il faudrait des baignoires très très spécifiques pour pouvoir faire accoucher les patientes dans l'eau, okay, qui nécessitent de se vider globalement en moins de 3 secondes pour, au cas où on ait besoin, nous, d'aider le bébé à sortir, de manœuvrer pour aider le bébé à sortir, on puisse avoir accès à la patiente, à son périnée et à l'enfant rapidement. Et c'est très difficile, en tout cas moi j'ai jamais vu de maternité où il y avait ça, mais je sais que ça se fait beaucoup dans certains pays d'Europe, sur lesquels l'accouchement à domicile est beaucoup plus démocratisé et géré totalement différemment
de la France, notamment dans les pays type Suède, Norvège, etc. Alors, ici on est au bloc. Oui, ici on est au bloc. C'est pour ça qu'on était obligé de mettre la Charlotte, le masque, la tenue, les surchaussures. Ici on fait quasiment que des césariennes, c'est-à-dire des opérations qui consistent à ouvrir le bas du ventre au niveau de la naissance des poils pour sortir le bébé plus rapidement. C'est combien de centimètres la cicatrice d'une césarienne? C'est à peu près 8-10 cm. On incise la peau, ensuite il y a tout un tas d'incisions à faire, les muscles, passer, l'utérus, ouais, etc. Ça se fait très rapidement si on a besoin de le faire en urgence. Ça, c'est le gynéco qui le fait. Il a une aide opératoire, évidemment. Une césarienne, c'est anesthésie générale? Pas forcément. Si la patiente est déjà sous péridurale, on injecte un produit un peu différent qui nous permet qu'elle ne sente rien pendant la césarienne. Si c'est une césarienne programmée, souvent on fait comme une péridurale, ça a un nom un peu différent, ça s'appelle une rachianesthésie. Ça dure moins longtemps, qui permet pareil qu'elle ne sente rien du tout. Et si vraiment on n'a pas les moyens de faire autrement pour une raison ou une autre, on peut faire évidemment une anesthésie générale. En tant que gynécologue, est-ce que tu as une anecdote à nous raconter, toi? Je me souviens d'une anecdote qui finit bien sur une patiente qui vient aux urgences gynécologiques, hein, pas sur la maternité, en disant j'ai mal au ventre, etc. L'infirmière fait le tri des patientes en disant est-ce que vous êtes enceinte, pas enceinte. Donc elle calcule la date des dernières règles. Finalement, ça fait 9 mois que vous n'avez pas eu vos règles, donc c'est pour la sage-femme. La sage-femme arrive, examine la patiente, ah, vous êtes à dilatation complète, la tête est là, elle dit vous êtes fou, enfin n'importe quoi. Mais elle monte quand même en salle de travail, elle a une péridurale parce qu'elle a mal, jusqu'au bout en disant mais moi je ne suis pas enceinte, le mari, pareil. On n'attend pas d'enfant, etc., etc. Et donc ils m'ont appelé pour faire un forceps, donc la fameuse extraction instrumentale. Et en posant le bébé sur son ventre, c'était en décembre 23, 24, je sais plus. Et je fais, c'est un beau cadeau. Ils étaient joyeux tous les deux, wow. Alors qu'ils ont nié jusqu'à la dernière minute. Waouh, wow. C'est impressionnant. Donc une grossesse, ouais, ça existe vraiment. Ça existe vraiment. Ça, et le ventre ne sort pas en fait. C'est le comportement des femmes qui est différent. C'est-à-dire qu'elles ont évidemment une prise de poids qui est à peu près équivalente hein, si la grossesse se passe bien, mais elles ne portent pas le ventre de la même façon. On voit bien les femmes enceintes, elles font très attention à leur ventre, elles mettent des t-shirts adaptés, elles ont une posture corporelle, un langage corporel qui est particulier et qui est lié au fait qu'elles sont préoccupées par ce qui se passe dans leur ventre, par le bébé. Mais une femme qui est en déni de grossesse, elle n'a pas tout ce comportement-là, et donc ça peut ne pas se voir. C'est bon, okay. On va prendre un drap propre. On disait qu'on voulait que on des combos. On avait réservé notre patiente la plus parfaite. La patiente du mois. Du siècle, de la décennie, on continue. Monsieur, on vient vous chercher après. Mais monsieur, il ne vient ça pas. Ça marche, à tout à l'heure. Ah. Vous n'êtes pas trop stressé? Non, pas du tout. Je m'attendais à cette éventualité, donc du coup, non, ça va. Okay. Ça m'a bien expliqué, donc tout va bien. Allez, vas-y, allez, on vous suit si vous voulez. C'est parti. Quelles vont être les premières étapes du coup? Alors, on va scoper la dame. Là, ça va être une anesthésie et plus une analgésie comme tout à l'heure. Ok, c'est le grand moment. C'est ça. Et moi, je me permets, je commence à vous découvrir le ventre parce qu'on va vous nettoyer le ventre du coup pour faire la césarienne. Ok. Là, il y a toujours la péridurale du coup qui fait effet. Oui, oui, oui. En fait, on a utilisé la péridurale pour la chirurgie. Et ça, c'est pas du tout le même produit. Mais ça reste, c'est en fait une péridurale, c'est ce qu'on appelle une loco-régionale. C'est-à-dire, madame, elle ne sera pas endormie. Là, du coup, vous installez un champ opératoire, c'est ça? On installe la dame, je vais ouvrir les champs. Ensuite, on va aller se préparer avec la gynécologue, avec le chirurgien. On va s'habiller en stérile et on commence après. Qu'est-ce que tu es en train d'installer, toi, du coup, là? Donc, moi, je suis en train d'installer la table pour qu'on appelle de réa bébé. Il y a tout ce qu'il faut pour s'occuper de l'enfant qui va arriver, qu'il aille bien ou qu'il aille un peu moins bien. Okay. Donc, on a tout l'équipement nécessaire pour bien s'occuper de cette petite fille. Du coup, elle va naître le 12 mai. C'est quoi comme horoscope le 12 mai? Taureau. Taureau? Oui. C'est un bon signe, taureau? Ça, je sais pas. Elle aura du caractère. Pensez à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo, c'est important. Et dites-moi en commentaire quel prochain métier vous aimeriez que je teste. Aucune limite. Allez-y. Alors, je me dis, ça a évolué depuis le temps, mais comment on devient gynécologue? Je suis pas si vieux, mais. Pardon, désolé. Pardon. En fait, ça n'a pas beaucoup changé, pour le coup. Okay. Ça n'a pas beaucoup changé. Il y a ces études de médecine, donc il y a 6 ans de tronc commun. Et ensuite, il y a ce qui s'appelait l'internat à mon époque, je suis quand même vieux. Ah. Mais maintenant, c'est l'ECN, c'est l'examen classant. Et il y a quand même une partie plus d'apprentissage pratique. On devient interne. Et là, on travaille en continuant à apprendre. Okay. Et donc, ça dure encore 5 ans, quoi. Souvent, il faut faire ce qu'on appelle un clinica ou un assistana. À peu près. Qu'est-ce qui te plaît toi dans ce métier? Bon, c'est extrêmement riche comme métier en fait. Il y a une relation humaine évidente. Hein. On voit beaucoup de gens avec beaucoup d'histoires très intimes, des questions morales, des questions existentielles. Il y a un aspect technique, la connaissance du fonctionnement de l'organisme. Savoir opérer quelqu'un, c'est quand même assez dingue comme ouais. Truc. On est capable d'ouvrir le ventre de quelqu'un qui ne meurt pas, on le referme et on est chez lui. Il y a de l'imagerie, on fait des échographies. Il y a aussi de la médecine, parce qu'on vient de discuter des parasites, des choses comme ça, que mange une femme enceinte. Et puis on apprend tout au long de la vie.
vous vous sentez? Là, je me sens mieux. Là, depuis que j'ai laissé la tête qui tourne, donc j'attends. Ok, trop bien. Voilà. Allez, c'est bientôt. C'est bientôt le grand jour. C'est ça. On va tester que l'anesthésie fonctionne bien avant de commencer. Et là, du coup, la gynécologue et l'aide opératoire sont en train de tout caler, de tout installer sur la table. Chaque instrument à sa place pour pouvoir les avoir rapidement en cas de besoin. 08. Voir les cheveux. Ah, il nous l'a mené à Dieu aussi. Ça coulait la chute. Oh, il y a une lunette. Oh là 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 là. Waouh. Waouh. Félicitations. Allez, Tilia, tu vas voir maman. Waouh. Félicitations, elle est magnifique. Et regardez comme elle est belle. Oh. Regardez, on la met contre vous, elle est calme dessus. Vous la tenez bien? Oui, c'est bon. Oh là là. Félicitations, elle a été merveilleuse. Elle s'est calmée de suite. Oh. Waouh. T'as vu tous les cheveux qu'elle a? Oui, c'est ça. Je reste juste là pour m'en occuper. Oui, il y a comme pas ça, de on fait ses petits soins et puis je vous la remontre. Ok, oui, on va la peser aussi. Oui, c'est surtout ça. Allez. Vous la faites les soins. Donc on va faire juste les premiers soins. Elle va très bien, donc j'ai pas besoin de faire grand chose. Ouais. On va lui mettre un petit bonnet pour qu'elle ne se refroidisse pas. On va lui raccourcir son cordon, lui mettre une couche, la peser. Et on lui fera un peu plus tard son premier examen, mais un peu plus au chaud parce qu'au bloc il fait un peu froid. Est-ce qu'elle va être lavée? Pas le premier jour, on la lavera que demain, que le deuxième jour de vie. Parce que ça leur demande trop d'énergie et qu'on veut pas qu'ils se refroidissent. C'est difficile pour eux de réguler leur température. C'est impressionnant. De suite, tu mets une couche. Je vais lui mettre la couche juste pour que, là, en mettant sur maman, elle lui fasse pas ni pipi ni caca dessus. On va raccourcir le cordon parce que là, vous voyez, il y a... Oh, mais pardon, demoiselle. Ça leur fait pas mal, ça, quand tu coupes le cordon? Le cordon, c'est totalement indolore. Que ce soit pour elle ou pour sa maman, d'ailleurs. C'est bien fait, quand même. Hein. Ah, c'est rien de le dire. Oh, t'as de la vie. Hein. Oh, t'es tonique. Hein, elle est vivante. Hein. Donc, dans le cordon, il y a des vaisseaux. Donc c'est normal que ça saigne. Ok. C'est pas qu'il y a un problème, on vérifie d'ailleurs toujours qu'il y ait deux artères et une veine. Waouh. On a été nourri par là. Parce que... Exactement, c'est comme ça qu'elle a eu tout ce qu'il lui fallait. À tout à l'heure. Du coup, Anne, qu'est-ce qui se passe là? Eh bien là, on a une autre maman qui doit accoucher très rapidement. C'est son deuxième bébé. Tu vas voir avec Élise, la sage-femme, elle est en train de s'installer pour l'accouchement. Ok. Ça va pas trop stressé, ça va? C'est le deuxième, ça va. C'est le deuxième. Everything is okay? Ça vous demande si on baisse un peu la lumière? Non, si non. On baisse beaucoup la lumière. Allez-y, allez-y. La prochaine contraction, on pourra commencer à pousser. D'accord. Vous avez déjà assisté à des accouchements tous les deux? Juste il y a deux minutes. Oui, et un accouchement par voie basse. C'est pas, non, pas par voie basse. Okay. Et ça va aller? Oui. Donc là, vous allez sentir que je touche, c'est tout à fait normal. Ça ne doit pas faire mal, vous me dites. Est-ce que ça va au niveau des sensations? Ça va, monsieur? Je vois ses cheveux là, elle est pas loin. Mizuki, s'il y a des choses que je dis que vous ne comprenez pas bien, vous me dites. Vous me dites stop, je ne comprends pas. Hein. D'accord? Je sais que monsieur traduit super bien, mais voilà, s'il y a des choses qui sont un petit peu difficiles, vous n'hésitez pas à me dire. Hein. D'accord? Et en fait, quand il y aura une contraction, on va attraper les cuisses de chaque côté et les ramener bien bien vers vous, comme on a fait tout à l'heure en s'entraînant, pour ouvrir le bassin vraiment au maximum. On ne pousse que pendant la contraction, parce que la force de la contraction, elle pousse votre bébé vers le bas et ça nous aide beaucoup. Donc on utilise cette force-là. Et en plus, on rajoute votre poussée à vous. Là, il y a une contraction peut-être? Non. Vous ne sentez pas encore? Alors moi, je la sens un peu. Alors, on y va, mes équipes, on attrape bien les cuisses. Vous les tirez bien, bien fort vers vous. Vous pouvez décoller, poser bien les fesses et comme ça, regardez. Comme ça, exactement. Et on y va. On prend plein, plein d'air. On bloque et on pousse très, très fort en bas. Allez-y, de toutes vos forces. Allez-y encore. Allez-y, on continue. Allez-y encore un petit peu, encore un petit peu. Ok, on respire, soufflez. On y retourne, exactement pareil, c'était super. On y va, plein d'air. On bloque et très très fort en bas.
Allez, encore, encore, on continue. Ok, on respire. Alors, vous poussez super bien. On sent bien que vous contractez bien parce que la tête de votre bébé avance. Par contre, vous cambrez le dos. Et en fait, il faut faire tout le contraire. Il faut que vous vous enrouliez comme ça autour du bébé. On prend plein d'air, on bloque et on y va très fort. Allez-y, de toutes vos forces. Ça roule bien. Allez-y encore. Allez-y encore, encore, encore. Fort, 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 fort encore. On continue. Ok, soufflez. On reprend exactement pareil. On bloque tout et on y va très fort. Fort et longtemps en bas. Fort et longtemps, fort et longtemps, fort et longtemps. Encore, 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 on lâche pas. Allez-y encore. Est-ce que tu pourras me donner du savon, s'il te plaît ? On va mettre un petit peu de savon pour l'aider à glisser. Allez, on attrape les cuisses. On va faire dans l'ordre. D'abord, vous attrapez. Voilà. Et on y va. On prend plein d'air. On bloque tout et on y va très fort. Allez-y, Mizuki. Allez-y encore. Allez-y encore. Ça, c'est très, très bien. Ça, c'est super. Allez-y encore. Allez-y encore, encore, encore. Fort, 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 fort encore. Super, bravo. Vous êtes parfaite. Très bien. Soufflez, respirez, respirez doucement. Là, vous avez fait vraiment le plus gros du travail. Est-ce que c'est douloureux ou ça va ? Ça va. Ça va ? Elle est juste là, il y a une bonne partie de sa tête qui est dehors. Là, on va essayer d'aller tout doucement. Monsieur, vous ne voulez pas voir, puis finalement un peu quand même. Un petit peu curieux quand même. Et vous allez pousser en faisant... Comme si vous vouliez éteindre des bougies très très loin. Allez-y. Ça va ? Qu'est-ce qui se passe ? Dites-moi. C'est difficile ? Là, vous avez vraiment fait le plus dur. Hein. Maintenant, c'est plus facile, il y a moins de force. Par contre, il faut essayer de tenir plus sur la durée. Là, vous poussez, ouais. Enfin, ne poussez plus du tout. Ne poussez pas. Elle est en train d'arriver tout doucement. Emma, vous ne poussez surtout pas. Vous relâchez tout. Voilà, vous respirez. Elle arrive tout doucement. Et bonjour, mademoiselle. Hop, sa petite tête est là. Hein, d'accord. Alors, ce qu'il en kikinait, c'était ça. Elle a un petit cordon autour du cou. Et on va essayer de pousser une fois pour ses épaules. Mizuki, on y va. On prend plein d'air. Et on pousse. Et on la pousse fort, fort, fort pour ses épaules. Allez-y encore. Allez-y encore. Encore, encore, encore. Très bien, ne poussez plus, Mizuki. Ne poussez plus. Ne poussez plus, tout va bien. Vous tendez les bras, vous venez l'attraper ? Vous venez la chercher ? Voilà. Salut, beauté. Et bonjour. Allez-y. Oh ouais. Allez-y. Oui, ça glisse un petit peu. Je la tiens, vous inquiétez pas. Eh ben bonjour. Wow. Félicitations. Félicitations. 23h29. Bonjour mademoiselle. Bonjour Emma. Ah, elle est magnifique. Incroyable. On lui met un petit bonnet pour pas qu'elle ait froid, votre louloute. Et on va l'installer bien sa peau contre la vôtre. Voilà, viens là ma grande. Ça y est. Oh, une couverture toute seule. Eh ben félicitations, vous avez été super. Est-ce que vous souhaitiez couper le cordon, monsieur ? Oui ? Entre les deux pinces, oui, allez-y. Super ! Félicitations, monsieur ! Elle est magnifique, félicitations ! Félicitations, plein de bonheur ! Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux futures mamans qui vont voir la vidéo ? Faut pas envisager ça comme quelque chose d'hyper facile. Les arrière-grand-mères savaient bien ça. Et aujourd'hui, comme la sécurité a globalement beaucoup améliorée, les gens ont perdu l'idée que, en fait... C'est quand même une épreuve. Faut la faire intelligemment. Ouais, c'est ça. Donc, mais bon, c'est bien, hein, faire des gosses. Mais faites des gosses. Parfait, merci beaucoup. La forme ? Là, c'est enfin terminé. Ça y est ? Oui. Merci beaucoup, félicitations. Félicitations merci, encore, en tout cas. L'équipe, super. Quand ça va bien, il faut dire que c'est bon. Ah, vous avez été super, en tout cas. Merci, bravo. Vous avez été la passion de parfois. Bravo. Ouais. Extrêmement. Bon repos, maintenant. Alors, bon repos avec un nouveau-né, dis-moi à bientôt. Hein. C'est rigolo. Courage, courage, ils savent pas. Oh, c'était incroyable. Franchement, c'est la première fois que je vois un accouchement d'aussi près, du coup. Un grand respect à toutes les mamans et les futures mamans qui vont voir cette vidéo. Grand respect, franchement, vous méritez encore une fois tout le respect du monde. Un grand bravo aussi à tout le personnel soignant. Sans vous, ben, il n'y aurait pas de si belles choses qui se passeraient sous nos yeux. Donc merci à vous, bravo à vous de faire le métier que vous faites. Bon, maintenant, il est 23h35, je vais aller au lit. Prenez soin de vous, je vous aime fort. Thibaut, viens vite, il y en a un autre. Oh non, j'en peux plus.